et je touche l'ampoule. Ah, c'est pas respectueux, c'est pas respectueux, là, on l'avait dit. Pas du tout respectueux. Pas respectueux, on avait dit. C'est pas respectueux, ah, ça. Non, 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 pas bien. Mais c'est respectueux quand même, non? Ah non. Bon, alors sinon j'en ai plein, j'ai Tina Turner, j'ai Mattel Gibbs, j'ai Mike Brandt, Mike Brandt. Non, non, pas Mike Brandt. Les gens ils veulent Mike Brandt. Ouais, c'est pas moi, je l'ai fait pour les gens, moi. Mais Brandt, respectueux, alors. Bien sûr respectueux, toujours respectueux. Mais je n'ai pas l'ascenseur, les escaliers me font peur. Qui saura me faire descendre jusqu'en bas? Qui saura, qui saura, qui saura? C'est pas respectueux du tout là. Pas du tout. Là. C'est bon là. C'est pas respectueux ça pour Mike Brandt. Ah non, Mike Brandt, Johnny là, c'est bon, stop. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai Elvis. Non, stop. Non, 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 touche pas Elvis. Elvis. Les gens ils veulent Elvis. Vous voulez Elvis? Non, pas Elvis. C'est pas moi, c'est les gens. Non, pas Elvis. On touche pas Elvis. Mais les gens, champion du monde, j'étais cet hiver. Mais même, pas de champion du monde, pas de rien. Ok. Bon, tant pis, bah, j'avais les Pixies aussi. Non, pas de sosie. Pourtant j'ai le profil, hein, je veux dire. Que tu l'as. Bon, ok. Bon, ben encore une nouvelle chanson, alors, parce que vous savez, on est là sur cette place magnifique, la place Pierre Coulet, qui était un écrivain célèbre du 15e siècle, après Mozart. Et donc, on se dit, oui, on est là. Attends, tiens, la photo. Ça, c'est le photographe officiel de la mairie, ça. Bon, il faut pas poser, parce que tu vois, si tu poses, c'est pas joli. Donc, on se dit, oui, il y a une scène, il y a des barrières, tout ça est venu tout seul. Non. Il y a un service à la mairie qui s'en occupe, ce sont les services techniques. Et personne s'occupe des services techniques. Tout le monde s'en fout. Tout le monde va à l'urbanisme, à l'état civil pour les passeports, mais tout le monde s'en fout des services techniques. Eh bien, nous, on s'en fout pas des services techniques. Donc, on s'est dit, on va leur faire une chanson aux services techniques. Une chanson qui s'appelle Les services techniques. Voilà, ça, c'est un beau titre. Les services techniques sont fantastiques. Ils sont jeunes, beaux et dynamiques. Les services techniques, sont fantastiques. Bien sûr, ils n'ont pas le génie de leurs collègues de la voirie. Ils n'ont pas non plus la poésie de ceux de la déchetterie. Place au-dessus. Les services techniques sont fantastiques. Ils sont jeunes et beaux et dynamiques. Les services techniques, sont fantastiques. Bien sûr, ils n'ont pas le charisme de leurs collègues de l'urbanisme. Ils n'ont pas non plus ce côté jovial de la folie. Place au-dessus, les services techniques sont fantastiques. Ils sont jeunes et beaux et dynamiques. Les services techniques, sont fantastiques.
un camion, des coups de main pour la maison, la technique, des services techniques. Quand on veut détabler les chaises, pour ça aller se faire des merguez, on appelle qui ? Les services techniques. Quand il est 4h15, qu'on veut se voir dans les cars, on appelle qui ? Les services techniques. Les services techniques sont fantastiques. Ils sont chers et beaux et dynamiques. Les services techniques, les services techniques, les services techniques sont fantastiques. Ils sont chers et beaux et dynamiques.